Bonjour, bienvenue au château de Rastignac. Côté cour, c'est un château comme un autre que l'on trouve partout en Périgord. Mais côté jardin, la ressemblance est frappante. Même péristyle, même colonne. Et à l'intérieur, la même grande salle aux arrondis typiques. C'est le bureau ovale de la Maison Blanche Périgord. Rastignac et la Maison Blanche de Washington ont-ils un lien ? Construit une quinzaine d'années après son illustre cousin américain, le château périgourdin avait été pensé bien avant. D'ailleurs, Thomas Jefferson lui-même, devenu par la suite troisième président des États-Unis, avait rendu visite en 1789 à l'école d'architecture de Bordeaux. Les plans étaient à l'étude, donc à Bordeaux. Et si jamais il a croisé ces plans, et probablement qu'il s'en est inspiré, parce que vu quand même la ressemblance, c'est quand même une grosse inspiration. Étrange château, habité aujourd'hui par 7 propriétaires différents et restauré depuis 2001. Avant cette colocation d'un autre genre, celui-ci avait connu les affres de la Seconde Guerre mondiale. Des tableaux de Toulouse-Lautrec, Renoir y avaient été mis à l'abri. Les Allemands ne les trouvant pas, avaient tout brûlé sur leur passage. Les œuvres, elles, sont toujours portées disparues. Avec la ressemblance avec Washington, oui, c'est la deuxième... C'est le deuxième mystère assez troublant, quoi. Autre mystère ce soir, le nom du 46e président des États-Unis, qui, à plusieurs milliers de kilomètres de là, prendra bientôt possession de la Maison Blanche américaine.